Bonjour, aujourd'hui notre sujet est l'hypertension artérielle. Certaines personnes ont une pression artérielle élevée pendant des années sans ressentir aucun symptôme. L'hypertension artérielle non surveillée augmente le risque de problèmes de santé graves, tels qu'une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral. L'hypertension artérielle se développe souvent sur de nombreuses années et finit par apparaître chez presque toutes les personnes. Heureusement, la maladie est très facile à détecter, elle peut donc être contrôlée avec l'aide de médecins. Les symptômes de l'hypertension artérielle. La plupart des personnes qui souffrent d'hypertension artérielle ne présentent pas de symptômes, ainsi que dans les cas où la pression artérielle est si élevée qu'elle présente un risque. Chez certains patients, les symptômes suivants apparaissent dans les premiers stades de la maladie. Douleur légère dans la tête. Vertige. Ou saigne de nez plus que d'habitude. Mais ces signes et symptômes apparaissent généralement lorsque la maladie a atteint un stade plus avancé, au point de mettre la vie en danger. La tension artérielle. Causes et facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Il existe deux types d'hypertension. Hypertension primaire, dans 90 à 95% des cas chez l'adulte, la cause ne peut être définie. Ce type a tendance à se développer progressivement, sur de nombreuses années. Hypertension secondaire, dans les 5% à 10% restants, ce type est généré à la suite d'une autre maladie et apparaît généralement soudainement et provoque une pression artérielle plus élevée que celle causée par la maladie primaire. Plusieurs maladies et médicaments est-elle un des plus importantes des causes de l'hypertension artérielle secondaire, y compris maladie du rein. Tumeur des glandes surrénales. Certaines malformations cardiaques congénitales. Certains médicaments tels que les pilules contraceptives, les médicaments anti-rhumes et les médicaments pour soulager la congestion. Analgésiques en vente libre et un certain nombre de médicaments sur ordonnance. Drogues telles que la cocaïne et l'amphétamine. Facteurs de risque. De nombreux facteurs augmentent le risque de développer une hypertension artérielle, dont certains sont incontrôlables et comprennent. Âge, le risque de développer la maladie augmente avec l'âge. Au début de l'âge moyen, la maladie est plus fréquente chez les hommes. Quant aux femmes, elles ont tendance à développer la maladie pendant la période post-ménopausique-ménopause. Antécédents familiaux, l'hypertension a tendance à être transmise génétiquement. Autres facteurs de risque supplémentaires qui peuvent être contrôlés. Surpoids ou obésité, plus le poids d'une personne est élevé, plus il faut de sang pour pouvoir fournir de l'oxygène et des nutriments aux divers tissus du corps. Plus la quantité de sang circulant dans les vaisseaux sanguins est élevée, plus la pression sur les parois des artères est élevée. Manque d'activité physique, la fréquence du travail cardiaque chez les personnes qui ne pratiquent pas d'activité physique est plus élevée que celle de celles qui le font. Plus le cœur fonctionne vite, plus le cœur a besoin d'efforts pour travailler à chaque contraction, ce qui augmente la pression sur les artères. De plus, le manque d'activité physique augmente le risque d'obésité. Tabagisme, le tabagisme augmente la tension artérielle immédiatement et temporairement. De plus, les produits chimiques contenus dans le tabac peuvent endommager les parois des artères. En conséquence, les artères peuvent devenir plus étroites, ce qui entraîne une hypertension artérielle. Un régime riche en sel, sodium, trop de sel de table, sodium, dans le régime alimentaire peut entraîner une rétention d'eau dans le corps, ce qui provoque une hypertension artérielle. Nutrition faible en potassium, le potassium aide à équilibrer le niveau de sodium dans les cellules. Lorsqu'une quantité insuffisante de potassium est consommée ou stockée, cela peut entraîner une accumulation excessive de sodium dans le sang. Un régime pauvre en vitamine D, on ne sait pas si un régime pauvre en vitamine D peut provoquer une hypertension ou non. Les chercheurs pensent que la vitamine D peut affecter une enzyme produite par les reins et affecter la pression artérielle.
Consommation d'alcool. La consommation d'alcool peut provoquer la production d'hormones qui entraînent une hypertension artérielle et une augmentation de la fréquence cardiaque. Stress. Des niveaux élevés de stress entraînent un pic temporaire, mais dramatique. Les tentatives de détente en mangeant beaucoup, en fumant du tabac ou en buvant de l'alcool peuvent compliquer les problèmes de tension artérielle. Maladies chroniques. Certaines maladies chroniques, y compris l'hypercholestérolémie, le diabète, l'insomnie et les maladies rénales, peuvent augmenter le risque de développer une hypertension. Parfois, la grossesse est un facteur d'hypertension artérielle. L'hypertension est principalement courante chez les adultes, mais les enfants peuvent également être à risque, parfois. Chez certains enfants, l'hypertension se développe à la suite de problèmes rénaux ou cardiaques. Cependant, un nombre important et croissant d'enfants deviennent vulnérables au développement de l'hypertension en raison de mauvaises habitudes de vie, telles qu'une alimentation inadéquate et malsaine et le manque d'activité physique. Complications de l'hypertension artérielle. Une pression artérielle excessive sur les parois des artères peut endommager les vaisseaux sanguins et d'autres organes du corps. Plus la pression artérielle est élevée et plus elle reste longtemps sans traitement pendant une longue période, plus les dommages sont importants. S'il est non traité, l'hypertension artérielle peut entraîner dommages aux vaisseaux sanguins, anévrisme, anévrisme local, arrêt cardiaque, un blocage ou une rupture d'un vaisseau sanguin dans le cerveau, affaiblissement et rétrécissement des vaisseaux sanguins dans les reins. Épaississement, rétrécissement ou rupture des vaisseaux sanguins dans les yeux. Problèmes de mémoire ou de compréhension. Diagnostiquer l'hypertension artérielle. La pression artérielle est déterminée par la quantité de sang pompé par le cœur et par le niveau de résistance au flux sanguin dans les artères. Plus le cœur pompe de sang et plus les artères sont étroites, plus la tension artérielle est élevée. Pour détecter et traiter l'hypertension, la pression artérielle est mesurée avec un dispositif spécial composé d'un bracelet gonflable qui est enroulé autour du bras pour réduire le flux sanguin, d'un manomètre mécanique à mercure, d'un soufflet et d'une conception de contrôle. Les résultats de mesure doivent être exprimés en millimètres de mercure et ces résultats comprennent deux valeurs, deux nombres. Le premier nombre, ou le plus élevé, mesure la pression dans les artères lorsque le muscle cardiaque se contracte pendant qu'il bat, pression systolique. Le deuxième nombre, ou inférieur, mesure la pression dans vos artères entre les battements, pression diastolique. Valeur de mesure de la pression artérielle. Selon les dernières directives de base sur la pression artérielle publiées en 2003, les valeurs de mesure se répartissent en quatre groupes généraux. Niveau normal, une tension artérielle est considérée comme normale lorsqu'elle est inférieure à 80/120 mmHg. Cependant, certains médecins disent qu'une pression artérielle de 115/75 de mmHg est préférable. Le niveau de pré-hypertension, pré-hypertension quand il s'agit de la pression systolique entre 120 à 139 mmHg ou quand il s'agit de la pression diastolique entre 80/89 mmHg. Le premier stade de l'hypertension, hypertension de stade 1 alors que la valeur de la pression systolique est comprise entre 140 à 159 mmHg ou lorsque la pression est comprise entre la valeur diastolique 90 à 99 mmHg. Le deuxième stade de l'hypertension est l'hypertension de stade 2 alors que la valeur de la pression systolique est de 160 mmHg et plus ou lorsque la pression est la valeur de 100 mmHg diastolique et plus. Les deux valeurs, les deux nombres, la plus élevée et la plus basse, dans une mesure de la pression artérielle sont importantes. Mais après 50 ans, la pression systolique devient plus importante. Hypertension systolique, ISH, est une condition dans laquelle la pression diastolique est normale et la pression systolique est élevée. Cette condition est le type d'hypertension le plus courant chez les personnes de plus de 50 ans. Traiter l'hypertension artérielle. Les changements de mode de vie peuvent également être très utiles pour équilibrer la tension artérielle. Cependant, un changement de style de vie, en soi, ne suffit parfois pas. En plus de pratiquer une activité physique et de modifier les habitudes alimentaires, le médecin peut également prescrire certains médicaments pour abaisser la tension artérielle. Le médecin peut recommander de prendre de l'aspirine quotidiennement afin de réduire le risque de développer une maladie cardiovasculaire, trouble du système vasculaire et du cœur. Afin de réduire la dose quotidienne, le médecin peut combiner plusieurs types de médicaments à faible dose plutôt qu'un type à très forte dose.
En fait, la prise de deux médicaments ou plus en même temps est souvent plus utile que la prise d'un seul type de médicament. Parfois, la capacité de choisir le médicament le plus efficace ou de combiner les plus bénéfiques est le résultat d'essais et d'erreurs. Traitements alternatifs. Assurer une alimentation et une activité physique appropriée est la meilleure façon de traiter l'hypertension artérielle. Cependant, en plus de cela, il existe plusieurs suppléments nutritionnels, aliments complémentaires, qui peuvent aider à réduire l'hypertension artérielle, notamment acide alpha-linolénique, ALA, psyllium, calcium, cacao, huile de foie de morue, coenzyme Q10, les acides gras oméga-3, l'ail. La meilleure façon d'incorporer ces substances dans l'alimentation est de manger des aliments riches en ces substances, mais ils peuvent également être consommés en les consommant sous forme de comprimés ou de gélules. Il est recommandé de consulter un médecin avant de consommer de tels compléments alimentaires pendant une thérapie contre la tension artérielle. Il existe des aliments qui affectent l'efficacité des médicaments et provoquent des effets secondaires nocifs. De plus, il est possible de pratiquer des techniques de relaxation, comme le yoga ou la respiration profonde, pour atteindre un calme psychologique et réduire le niveau de stress. Ces techniques de relaxation peuvent abaisser temporairement l'hypertension artérielle. Merci de m'avoir suivi.